Le bistrot parisien qui va bien, où l'ambiance déchire en plein milieu du 2e arrondissement. Je vous emmène ce soir chez mon chouchou, puisque vous le connaissez déjà, mais cette fois avec un endroit différent. L'ambiance est du tonnerre et ça s'appelle le Belmont. Bonsoir, tu vas bien? Et très bien, et toi? Magnifique. Alors après le café Renoma, le Belmont, en plein 2e arrondissement. Le Belmont, grande... Alors qu'est-ce qui t'a pris? Grand challenge, je suis tombé amoureux d'un lieu que je trouve extraordinaire par son espace, parce que c'est grand, c'est haut, ça fait 8 mètres de plafond, je l'ai dit, let's go, on prend le challenge, on casse tout, on a fait 1 an et demi de travaux. Et on a fait un resto. Et voilà. Alors c'est un endroit où il fait bon être matin, midi, soir, parce que je suis ouvert toute la journée. Inclus samedi, dimanche, le brunch, etc., etc., etc. Avec un DJ qui est là-haut aussi pour le week-end. C'est un endroit qui peut faire en même temps resto, en même temps bar, pas boîte, mais ça peut chauffer un peu le soir. J'ai essayé de recréer un espace où c'est comme à la maison. J'ai acheté du matos, que ce soit à New York, à Marrakech, à Miami, j'ai acheté de partout. Et c'est assez sympa, une cuisine ouverte comme tu vois derrière toi, parce que comme ça, le client voit que la bouffe est là, elle est fraîche, elle est bonne. Il voit les chefs bosser, c'est assez sympa. Et j'ai essayé de créer un concept qui puisse plaire à notre clientèle de toi et moi, qui soit entre 25 et 40 berges, tu vois, sur que des petites assiettes à partager. Entre 8 et 12 euros, et t'en prends 3-4, et au lieu de bouffer un ou deux plats, tu bouffes 6 trucs. Top. Dans ta bouche, ça rayonne, et c'est rigolo. Viens, attends, j'ai un truc rigolo pour toi. Viens voir, ça c'est rigolo. Ça n'a l'air de rien, ça n'a l'air de rien, mais le petit signe sans issue, made in Crazy Horse, monsieur Bernardin, 1951. Ah, des signes, des signes. Il y a une nana à poil derrière. Des signes que j'ai repéré au Crazy, que j'ai piqué sur les portes du Crazy, qui sont assez marrants. Ça, il n'y a que moi qui comprends, mais c'est rigolo. Qu'il y a quelque chose d'intéressant derrière. Non, il n'y a rien. Ah non. Pas maintenant, tout à l'heure. C'est moins glamour.